voici, on a la carte. Donc sur ce point-là, sur Papa Tango 3-0, ce sera la Zulu Lima. On en voit toutes les unités ici. Le village d'à côté, il est à peu près à 2 km. Il faut faire attention parce qu'il y a secteur hostile. On vous a annoncé des packs ennemis de ce côté-là. Donc on va se réarticuler derrière ce village, à l'entrée. Donc une fois le largage effectué, on a à peu près 20 minutes pour articuler ici. Des unités amies, type infanterie, vont nous appuyer. L'objectif, c'est renforcer ce secteur ici et couvrir ce secteur-là. À H-30 minutes après largage, il y aura l'effectif aéroporté qui vont s'appuyer sur ce secteur-là. Donc, couverture automatique, l'artillerie va se situer dans ce secteur avec des unités d'éclairage et d'infanterie. Couvrez bien ce secteur ici. Donc, zone d'appui par triangulation. Donc, première phase, largage à 2h du matin, heure Zulu. Une fois que tous les effectifs vont être posés, réarticulation, appui et soutien. Bon bah c'est bon. Bon, maintenant on est équipé. Test de matériel. Bon bah c'est bon, le matériel est ok. Bon bah c'est parti. Bruxelles, Fox, Tango, Papa, bonjour. Grand Pierre, auf und bis erlaubt, ja. Johann, ah, danke schön, ich möchte jetzt nicht touren. Ja, ich bin so frei. Schönen Dank. Informationen, un B66 opera zona Ciampino, Guidoni. Al Ciampino Alfa Romeo, ricevuto regolare dentro, un T66 sta volando sul Ciampino Guidonia, ricevuto. Robot Control, German Air Force 5008, pass Carbonara 47, flight level 250, estimating Tunis FIR 13, over. Tower, German Air Force 5008, request landing clearance, over.